Je pense que le poste de conseiller en recherche inuit est très important dans le Nord, puisqu'il offre pour la toute première fois aux Inuits du Canada une possibilité réelle de se prononcer sur le déroulement des recherches dans leur région. Je m'appelle Shannon O'Hara et je suis conseillère en recherche inuit pour la société régionale Inuvialuit à Inuvik, dans les territoires du Nord-Ouest. Je mène mes propres projets conformément au plan directeur des communications sur l'éducation. J'assure aussi la liaison entre les chercheurs et nos collectivités en communiquant de l'information au sujet de la recherche sur les contaminants. Je suis Carla Pamak, conseillère en recherche inuit pour le gouvernement de Nunatsiavut, à Nain, au Labrador. Dans le cadre de mes fonctions, je travaille beaucoup avec les chercheurs. Comme je suis la principale personne ressource pour tous les projets de recherche au Nunatsiavut, je rencontre beaucoup de chercheurs et je peux les mettre en contact avec les collectivités ou leurs membres pour les aider à obtenir les meilleurs résultats possibles dans le cadre de leurs recherches. L'inverse est aussi possible, c'est-à-dire que je peux mettre les résidents en contact avec les chercheurs s'ils souhaitent que des recherches soient effectuées dans leur collectivité. My name is Romani Makik. Je m'appelle Romani Makik et je suis conseillère en recherche inuit à la Direction du développement social et culturel de la Nunavut Tungavik Incorporated. Mon rôle consiste à examiner les projets financés dans le cadre du programme de lutte contre les contaminants dans le Nord et à formuler des commentaires sur les projets proposés dans ma région. Je suis également membre du comité sur les contaminants environnementaux du Nunavut, aussi chargée d'examiner les projets réalisés dans le cadre de ce programme. Hi, my name is Betsy Palliser. Bonjour, je m'appelle Betsy Palliser et je suis conseillère en recherche inuit pour le Nunavik. En ma qualité de conseillère, je siège au comité de la nutrition et de la santé au Nunavik, chargée d'examiner les propositions et les rapports des chercheurs. À mon avis, l'importance de ce poste réside dans la possibilité de fournir aux membres des collectivités de l'information à jour sur les recherches et d'obtenir leur participation à l'échelle locale pour qu'ils puissent mener leurs propres recherches, accéder à de la formation, renforcer leurs capacités et devenir les chercheurs qui effectueront les recherches communautaires. Le programme de lutte contre les contaminants dans le Nord existe depuis longtemps dans ma région. Nous y participons depuis sa création et il nous aide vraiment à faire des choix éclairés quant aux aliments traditionnels que nous consommons et à nous assurer qu'ils sont toujours sans danger pour la santé. L'intégration des connaissances traditionnelles des Inuits à la recherche est un aspect important des projets proposés, car cela donne une voix aux Inuits de la région et inclut les connaissances fondamentales de ces derniers. Je crois donc qu'il est primordial d'intégrer la recherche occidentale au savoir déjà utilisé dans la région. Depuis la création du poste de conseiller en recherche inuit, nos collectivités accueillent de façon beaucoup plus positive la communauté de recherche, car elles voient qu'un des leurs en fait partie. Elles auront beaucoup plus la confiance nécessaire pour accepter de prendre part aux recherches. Je suppose que ce poste leur fait davantage prendre conscience des avantages que leur procurent les recherches. J'ai la chance, vous savez, de pouvoir jeter un pont entre les membres des collectivités et les chercheurs. Ces recherches sont importantes pour nos peuples tout autant que le sont les résultats pour les chercheurs. Nous voulons donc que ces derniers sachent qu'ils peuvent travailler avec nous afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour les recherches et les collectivités. Je veux simplement ajouter que ce poste est vraiment important pour moi, car le travail que nous effectuons aura une incidence sur la génération à venir, comme mes enfants, et même sur certains des aînés qui vivent dans notre région aujourd'hui. L'information est très utile pour tous les résidents de la région, y compris ma famille et moi-même.